Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer une page, une pleine page, hein, sur le thème 2010 fourni par défaut par WordPress, mais en pleine largeur. Ici, nous sommes donc sur la page exemple et ce n'est pas en pleine largeur. Bon, pas mal de gens utilisent d'ailleurs le thème 2010 pour faire leur site et ils ne vont pas chercher de thème sur le net. Mais dans ce cas-là, je conseille quand même de faire un thème enfant. Lorsque WordPress fait ses mises à jour, eh bien, vous risquez de rencontrer des problèmes. Je verrai éventuellement à faire un petit tutoriel pour vous montrer comment faire un thème enfant. C'est très très simple. Ou mieux, à partir de 2010, eh bien, de faire un thème, de le renommer, de faire un autre thème, et ainsi vous serez tranquille. Nous allons donc d'abord commencer par... Voilà. Nous allons donc commencer par dupliquer la page. Alors, vous vous rendez donc dans Thème 2010. Vous cherchez le fichier page que vous copiez et, vous avez, et que vous... Voilà. Voilà. Et nous la renommons. Bon, ouais, je vais l'appeler pleine page. Voilà. Toc. Pleine largeur. Voilà. Plus exactement, pleine largeur. Voilà. Bon, là, c'est vu. Alors, nous allons la retrouver ici. Alors, il s'agissait donc... du fichier page que nous allons modifier. Bon, j'enlève le P ici, il n'a rien à faire là, ça va créer un bug. Vous enlevez la sidebar, là, nous n'en avons pas besoin. Hop. Voilà. Et nous allons donc donner un nom à notre nouvelle page. Bon, alors ici, moi je l'appelais donc page largeur, pleine page, pardon. Donc, alors je suis feignant, je ne le tape pas à la main. Voilà. Donc, entre les balises d'ouverture PHP et balises de fermeture PHP, après avoir commenté, début de commentaire ici, fin de commentaire ici, vous tapez template, name, deux points, et là, c'est pleine largeur, voilà, c'est le nom que l'on donne à notre nouvelle page. Bon. Donc ici, nous avons à l'intérieur du container, eh bien le div, donc avec l'ID d'origine, donc de la page, hein, content, rôle main. Bon, ça on va le supprimer pour le remplacer par une div, donc pleine largeur. Voilà. Donc là, je supprime. Et je colle donc ma nouvelle div. Voilà. Qui va correspondre donc à un CSS, bien sûr, aussi. Bien. Donc ici, new, sauvegardons. Voilà. On va voir. On va créer une nouvelle page. Donc ajouter. Alors ici, je vais marquer ma pleine largeur. Et ici, vous allez vous apercevoir que nous avons one colon no sidebar bon, d'origine et le fichier, la page que nous venons de créer. Voilà, nous allons donc l'utiliser ici. Bon, bah, publier. Je vais aller chercher un petit peu de texte. Voilà. Voilà, que je colle ici. Voilà, qui est en fait le texte de la page précédente que nous avons vue tout à l'heure. Voilà. Et ici, je rafraîchis de la page d'exemple. Ici, je rafraîchis donc ma page. J'ai ici un nouveau lien.
et nous avons donc notre pleine largeur. Mais tout ça, c'est pas beau, c'est trop petit. Ici, le titre doit être en gras, donc nous allons modifier ça. Alors, nous nous rendons donc dans le fichier CSS, ici. Je vais aller chercher mes petits bouts de mes lignes de code, voilà. Alors, en dessous de content, vous voyez, bon, bah, moi je le mets au début, hein, mais sinon, vous pouvez faire une feuille de style, vous pouvez appeler par exemple custom, mais enfin bon, c'est plus simple de faire comme ça, il n'y a pas grand-chose à rajouter. C'est pourquoi il est important de faire un thème enfant. Donc nous retrouvons donc notre première div ici, content pleine largeur, hein, et ici pour le titre, hein, qui doit être en gras, voilà. Alors, moi, je lui donnais une taille de police de 1,3 em. Hein. Et ici, le padding right, c'est-à-dire la marge à droite, 20 pixels. Bon, ça, vous pourrez toujours modifier. Bon, je sauvegarde. Donc, je vais aller rechercher notre démo. Voilà. Je réactualise. Et voilà, nous avons donc ici le titre. Alors, ce que je vais faire, ça sera beaucoup plus simple. Voilà. Alors, ici, je vais mettre sur la page d'exemple. Voilà. Et ici, nous avons notre page, donc page pleine. Voilà. En pleine largeur. Alors, vous pouvez modifier ici, là, comme je viens de vous le dire. Ben, par exemple, ici, je vais mettre 40. Hein. Le padding à 40, ça va être plus court. Voilà. Ah. Voilà, il a légèrement diminué. Je le remets à 20. Mais enfin là, ça n'a pas tellement bougé. Faudrait que je rafraîchisse. Bon, c'est pas grave, il s'est placé comme ça. Bon, enfin voilà. J'espère que cela vous aura rendu service. Rendez-vous au prochain tutoriel pour effectivement parler du thème enfant. À bientôt!